Bonjour, bienvenue tout le monde. Bon matin, merci d'être avec nous. Bienvenue, oui, à cette table ronde sur la performance et l'intelligence artificielle. Je me présente, je m'appelle Julie Michel Morin et je suis doctorante en littérature à l'Université de Montréal et également membre étudiante du réseau Hexagram. J'ai le plaisir de co-organiser cette conversation avec Sofiane Audry, qui est juste ici à mes côtés. Sofiane, qui est artiste scientifique, professeure à l'École des médias de l'UQAM, membre co-chercheur d'Hexagram et qui co-dirige également le réseau Hexagram. Donc, ensemble, depuis quelques mois, Sofiane et moi fabriquons un dossier sur les arts vivants et les intelligences artificielles. C'est un dossier qui va paraître sur l'extension recherche-création de la plateforme Percée à l'automne prochain dans la section Vivarium. Le Vivarium, c'est un espace qui est destiné à la publication de dossiers thématiques sur la recherche-création et sur les processus de création dans le champ des arts vivants. L'événement d'aujourd'hui sera justement par ailleurs capté parce qu'il sera diffusé sur la chaîne YouTube du réseau Hexagram, mais également sur la plateforme Percée dans le cadre justement de ce dossier. Cette table ronde qu'on a intitulée « Coopération et solidarité dans le champ de la performance en intelligence artificielle », tout comme le dossier en général, sont motivés par le désir d'ouvrir un espace de réflexion sur l'intelligence artificielle, la robotique et la performance. On s'intéresse particulièrement à la manière dont leur interaction rend possible l'émergence de nouveaux modèles relationnels plus justes, complexes et éthiques. Donc, on constate un peu qu'une grande partie du développement des intelligences artificielles et de la robotique est en fait très normative. Donc, les technologies qui sont développées viennent souvent renforcer ou reconduire des stéréotypes ou des modèles d'oppression à la fois technocapitalistes, technopatriarcaux ou technocolonialistes. Donc, ici, on va justement un peu s'intéresser au pouvoir de l'art et à sa capacité à repenser un peu de fond en comble les usages proposés, les usages de l'intelligence artificielle, et on va s'intéresser un peu à la manière dont l'art, justement, nous permet de repenser de fond en comble nos relations avec ces technologies. En s'inspirant des pratiques artistiques qui explorent ces technologies en marge des usages qui sont proposés par l'industrie. Donc, on a justement un peu envie aujourd'hui, avec cette table ronde et avec le dossier, de cartographier un peu des relations un peu plus saines et plus sensibles de ces relations-là entre intelligence artificielle et pratiques artistiques et robotiques. Donc, le titre de la table ronde renvoie d'ailleurs à ce désir de penser justement les coopérations et les solidarités qui peuvent émerger d'une rencontre entre les IA, la robotique, la performance, les performeurs, les performeuses et leur public. Donc, c'est la raison pour laquelle on a invité les artistes Marine Tonissen, juste ici, Louis-Philippe Demers, qui est à l'écran sur votre droite, si je ne me trompe pas. On a également invité Erin G, qui est juste à mes côtés, et Alexandre Saunier, qui est également à l'écran. On les a invités à discuter avec nous aujourd'hui parce qu'ils et elles mobilisent tous et toutes des intelligences artificielles ou des agents robotiques dans leurs pratiques respectives. Et on les rassemble parce que leurs pratiques rendent justement possible une rematérialisation critique de ces technologies et parce qu'elles ouvrent la voie à des nouveaux imaginaires de relations entre les humains et ces technologies-là. Donc, un peu avant de commencer cet échange, on va bien sûr prendre le temps de remercier d'abord Hexagram de soutenir cet événement et de lui faire surtout une place au sein de la programmation de ces rencontres interdisciplinaires. Par ailleurs, au sein de ces mêmes rencontres interdisciplinaires-là, ne manquez pas, jeudi prochain, il va y avoir le double lancement des livres, d'abord du livre de Sofiane Audry, justement, Art in the Age of Machine Learning, et celui également de Chris Salter, Sensing Machines, How Sensors Shape Our Everyday Life.
Donc, les deux sont publiés aux presses du MIT. Le lancement va avoir lieu jeudi prochain chez Entheism Book, si je ne me trompe pas, oui, qui est dans le Mylan. Et toutes les informations vont être sur la page web d'Hexagram. Donc, mentionner bien sûr que Sofiane et Chris sont co-directeurs du réseau Hexagram. Donc, ne manquez pas le lancement jeudi prochain. On remercie également Percé qui va accueillir justement la captation de cette table ronde sur la plateforme. Et on remercie aussi tout particulièrement Marie-Christine Lesage, qui est responsable de l'extension recherche-création. Merci beaucoup. Et on remercie évidemment les participants et participantes d'être avec nous ce matin, de se joindre à nous pour la discussion, mais aussi d'avoir largement contribué à la préparation de l'échange en cogitant des questions avec nous la semaine dernière pendant une pré-rencontre. Donc, on vous remercie d'avoir mis le cortex à la pâte, si je peux dire. Alors, on remercie aussi bien évidemment Jason, Catherine et Victor à la technique, à la régie, à la captation. Merci beaucoup de votre aide, de votre support. Et le merci ultime, il vous revient à vous, le public. Merci d'être là ce matin avec nous. Il va y avoir d'ailleurs une période de questions justement à la fin où vous pourrez participer aussi à cet échange-là. Donc, pour poursuivre la conversation, la débuter, on va commencer par une traditionnelle séance de lecture de notices biographiques. Donc, je te passerai le micro, Sofiane. Merci. Merci beaucoup, Julie Michel. Alors, je vais présenter nos panélistes ce matin. Je vais y aller de gauche à droite. Donc, d'abord, Erin G., qui est une artiste qui développe des technologies expérimentales afin d'explorer à partir d'une perspective critique la médiation et l'affect. Elle est experte DIY en biofeedback affectif et incorpore des technologies de détection physiologique dans la composition vocale, la performance en réseau, l'ASMR, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et l'art robotique. Elle est inscrite au programme de doctorat en musique de l'Université de Montréal. Ensuite, juste à la droite d'Erin, Marine Tunissen est une artiste et chercheuse belgo-canadienne. Ses activités artistiques et académiques récentes s'intéressent aux dynamiques connectives ainsi qu'aux stratégies, états et phénomènes qui émergent de l'improvisation collective. Elle questionne notre conception du collectif via la création de dispositifs intégrant des technologies d'intelligence artificielle au processus créatif en art vivant. On a ensuite avec nous ce matin, à distance, Alexandre Saunier, artiste, chercheur multimédia et candidat au doctorat à l'Université Concordia. Sa recherche porte sur l'intersection entre la création artistique avec les dispositifs lumineux, les systèmes autonomes et la perception sensorielle. Son travail artistique est régulièrement présenté dans des festivals internationaux tels que MUTEC en 2021 et le Festival de la Imagen en 2021. Finalement, on a avec nous ce matin, plutôt ce soir dans son cas, Louis-Philippe Demers, qui est aussi à distance. Louis-Philippe réalise des installations et des performances technologiques de grande envergure avec l'intelligence artificielle et la robotique en particulier. Il a participé à plus de 70 productions artistiques et scéniques et a construit plus de 400 machines. Les œuvres de Demers ont été diffusées dans le monde entier et primées à Ars Electronica, VIDA, Japan Media Arts Festival et aux Heldman Awards en Australie. Le parcours universitaire de Demers l'a conduit à l'École supérieure du design Zentrum für Kunst und Medientechnology, ZKM, à la Nanyang Technological University, à la Queensland University of Technology, à l'University of the Arts London, à la Central Academy of Fine Arts à Beijing et à l'Applied Arts School de Vienne. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'être avec nous. Je vais vous expliquer rapidement un peu le déroulement de la table ronde de ce matin. D'abord, on va inviter chacune de nos participantes à présenter avec un court extrait vidéo, venir nous présenter un peu leur pratique artistique. Ce sera suivi d'une période de discussion avec des questions que Julie Michel et moi avons préparées et également des questions qui ont été préparées par les participants participantes de la table ronde.
Et finalement, on va terminer avec une période où vous serez invité, le public, à poser vos questions. Donc, voilà. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui, donc cette première partie-là, est-ce qu'on m'entend toujours bien au micro? Oui, parfait. La première partie donc, consisterait à vous céder un peu la parole, donc à vous inviter à présenter vos pratiques artistiques respectives, la manière dont vous mobilisez ou travaillez justement avec, avec les intelligences artificielles ou avec les agents robotiques dans votre pratique. Vous avez justement préparé des vidéos, des extraits vidéo qu'on va diffuser et puis, puis vous allez justement ben, nous présenter un peu votre travail. Donc la première personne à nous présenter sa pratique artistique, ce serait Marine. Donc, Marine, je te cède le micro. Parfait, merci. Je vais parler en même temps que la vidéo. Donc, les images que vous allez voir là, donc sur la vidéo, les premières images sont des images de laboratoire que j'ai menées cet hiver ici, à l'Agora, de l'autre côté. Donc, c'est Hexagram qui m'a permis de faire cette résidence-là. C'est un projet, donc je mène un grand laboratoire qui s'appelle Generative Chorus, c'est comme tout le projet qui porte ce nom-là. Je mène un laboratoire depuis 2018 avec plusieurs performeurs et performeuses qui viennent du milieu de la danse ou du théâtre. Je les ai invités finalement à pratiquer des improvisations sur base de consignes que je leur donne. Alors les consignes, je les donne au début, puis je les répète quasiment jamais. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils et elles s'approprient ma proposition. Et je me suis inspirée des règles de déplacement dans les grands groupes d'animaux sociaux pour leur proposer des guidelines de déplacement. Ce qui m'intéresse particulièrement dans ce projet-ci, c'est que je mène en quelque sorte une enquête artistique, j'aime bien l'appeler comme ça, autour d'un phénomène qui arrive quand on improvise, en tout cas, ça peut arriver à d'autres moments aussi, quand on pratique, quand on performe avec d'autres personnes, c'est les moments où on se sent un peu connecté, on utilise beaucoup de mots jargon, valise pour parler de ça, quand on se sent connecté, en syntonie, en symbiose, en harmonie, peu importe les mots utilisés. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Est-ce qu'on peut reconnaître des patterns qui font que ça arrive plus facilement à certains moments qu'à d'autres? Quelles sont toutes les dynamiques qui sont présentes dans l'improvisation et évidemment dans cette improvisation particulière à partir des règles de déplacement que je leur propose? Donc c'est ça, je travaille avec ces personnes, on fait des débriefings, on essaye de faire émerger un petit peu le sens, qu'est-ce qui se passe, etc., d'obtenir de l'information là-dessus. Et le travail avec l'intelligence artificielle se fait, on va dire, dans un second temps, puis après ça devient plus parallèle dans le projet. Là, on en est à un moment où justement on va passer en mode de l'apprentissage machine. Donc, au début, j'avais décidé de travailler avec de l'apprentissage supervisé. Ça prenait d'étiqueter, de séquencer des images vidéo, d'y apposer des mots, de mettre des valeurs numériques. Enfin, c'était une manière dont on avait choisi de travailler. C'était assez complexe. Et puis, petit à petit, j'en suis venue à me poser la question, est-ce que il faut travailler autrement. Moi, je suis assez novice dans le milieu des technologies. D'ailleurs, je suis accompagnée. Il y a un algorithmicien qui travaille avec moi. Il y a aussi un designer interactif. Donc, on travaille en équipe. C'est sûr qu'il y a l'aspect technologique. Moi, à la base, je viens du théâtre. Je viens des arts vivants, pas spécialement des technologies. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir qu'est-ce que la machine, qu'est-ce que l'algorithme va reconnaître, va identifier, va générer comme sens pour nous, en tout cas, en triant par lui-même les images vidéo des documentations et de voir est-ce que ça apporte un sens nouveau, différent pour nous humains, est-ce que ça fait sens pour nous humains ou pas, etc. Et à la suite de l'apprentissage, l'idée est de permettre un biofeedback qui va revenir vers les performeurs et performeuses sous forme sonore potentiellement et de voir qu'est-ce que ça leur fait, est-ce que ce sentiment de connexion qu'ils arrivent à avoir, qui survient, qui surgit dans la pratique, est-ce qu'ils en développent d'autres envers la technologie, potentiellement. Donc, c'est sûr que j'en suis pas encore à des résultats avec ça, parce que c'est en process, c'est en cours, mais déjà on peut voir qu'il y a une influence du travail avec l'algorithme sur les performeurs et performeuses, ils ont déjà un imaginaire marqué. Parfois, quand ils performent, ils y pensent
soit à la caméra, à l'angle, à qu'est-ce que la machine va voir, ou à respecter. C'est assez contraignant, on doit travailler avec beaucoup un cadre qui doit être le plus similaire possible d'une séance à l'autre pour éviter le plus de bruit dans les images, pour que l'apprentissage puisse se faire. Et donc, ils pensent à ça, il et elle pensent à ça. C'est assez intéressant de voir déjà comment, rien que sur le fait de travailler avec cette technologie, ça a une influence sur leur expérience. Alors, en parallèle de ce long laboratoire qui ne sera ouvert au public qu'en septembre, lors de la diffusion finale, je crée d'autres œuvres en art visuel et médiatique. Je crée des installations. Et j'ai entre autres, avec Hexagram, exposé dans l'exposition Taking Care en 2018 à Ars Electronica. J'avais exposé un petit documentaire, un jeu vidéo multijoueur qui reprenait un peu les règles de déplacement du groupe de performeurs et performeuses. Et j'avais proposé aussi une performance participative pour que le public puisse venir expérimenter comment on se déplace, comment est-ce qu'on s'auto-organise dans cet espace. Et puis, ça c'est en 2018, et en 2021, j'ai eu aussi la chance, j'ai été invitée à exposer à l'exposition Nova à Bucarest, et j'ai créé toute une installation où c'était plein de petits papiers en fait qui reprenaient soit des témoignages, enfin des debriefings des performeurs, c'est les phrases en orange, et les phrases en noir, ce sont les miennes, c'est des questions que je me pose, c'est des réflexions qui arrivent dans le cours de ma pratique. Et entre autres, à cette période-là, je faisais des tentatives d'échantillonnage des séquences vidéo, et donc je questionnais tout mon rapport à séquencer un mouvement, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, sur quels critères, est-ce que ce que moi je vois comme observatrice, c'est la même chose que ce qui a été vécu, ou même que ce que moi j'ai vécu quand j'observais en live. Donc c'est un peu toutes les types de questions que je me pose, et j'ai utilisé une technique d'entretien spécifique pour faire ça, c'est l'explicitation du vécu d'action, et je l'ai fait sur moi-même. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment à partir du processus de aussi créer des œuvres pour donner accès à ce processus à un public en cours de route, puisque pour moi la grande œuvre c'est le laboratoire au complet dans le fond. Et donc c'est ça, en septembre prochain, du 8 au 13 à l'Agora, ici derrière il y aura la diffusion finale de ce projet de recherche. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi, Marine. Merci d'avoir généreusement présenté Generative Chorus, ton projet. On sera certainement là en septembre à l'Agora. Merci. Oui, je passerai peut-être le micro à distance à Louis-Philippe qui est à l'écran pour nous présenter un peu sa pratique, justement. Je sais que Louis-Philippe avait préparé une vidéo avec une narration. Donc, est-ce que tu veux la présenter ou on la lance tout simplement, Louis-Philippe, cette vidéo-là? Simplement la lancer, et après je conclurai. Parfait, on démarre notre petit cinéma en salle ici. Merci. Bonjour, je suis Louis-Philippe Demers. À travers mes travaux sur les machines interprètes, je vais vous présenter mes réflexions sur la mise en scène de l'intelligence artificielle. Réflexion à la fois au niveau de la perception du public et de l'interprète machinique. L'intelligence artificielle vient de la bonne vieille conjoncture de la capacité de la machine à simuler l'intelligence, et ce, de manière symbolique. À noter, ce fut un projet d'été, et que l'intelligence est cartésienne, cérébrale et non incarnée. Simulation ou illusion, l'IA est mise en scène depuis fort longtemps. À la Turing, si elle passe le test d'imitation, la machine est intelligente. Les machines thaumaturgiques de Kempelen et Meskelin sont des exemples frappants du paradoxe entre incarnation et imitation. Un paradoxe semblable à celui de l'interprétation théâtrale sur la présence versus la représentation de l'interprète sur scène. Ce paradoxe nous emmène à réfléchir et à définir le vivant, l'intelligent, l'humain. Une performance machinique de vie ou d'intelligence artificielle de vos cançons, le canard digérateur, a généré, tout comme Kempelen, un vif débat sur la capacité de reproduction et de simulation machinique. Les êtres artificiels sont le reflet de l'humain, un miroir épistémologique de l'ère du temps. De la glace à la vapeur à la cybernétique, ce reflet machinique nous ramène tous à nous définir.
L'intelligence a besoin d'un corps, d'un contexte où s'articule son comportement. Ce corps a une lecture multiple et simultanée, du niveau biologique au niveau social. La performance, la scène requiert une coprésence entre performeur avec audience et aussi avec l'espace, et les nombreux contextes du moment éphémère ainsi créé. Les aspects du moment présent et de la co-réalité sont essentiels, modalités qui nous forcent à percevoir l'illusion d'une manière sensorielle et intellectuelle. Réelle et bien physique, cette illusion brouille nos repères. Voici quelques observations sur divers travaux. L'IA sans modèle, disons algorithmique. Ce robot a été conçu pour étudier la démarche, cela sans ordinateur et feedback, donc non cybernétique. Eh oui. En premier lieu, le public perçoit ce robot comme dansant lorsqu'il est mis en groupe. Deuxième observation, le corps historique, le nom de la troupe de danse, les Taylor Girls, donne une compétence accrue au mouvement du robot et une capacité chorégraphique à l'ensemble. Compétences et intentions. The Blind Robot, une machine anthropomorphique, sans tête ni corps, engage un dialogue non-verbal avec le public qui rappelle un peu celui d'un humain aveugle. Le public accepte l'artifice et même augmente l'intelligence de ce robot via l'empathie portée par le caractère. J'ai testé cette perception en décrivant le robot comme un outil, un instrument de biométrie. La perception est ainsi devenue négative et l'intention du robot devient plus opaque et plus fonctionnelle. Le moment fort et singulier de cette expérience est le premier toucher. Ce toucher transforme la perception du robot et apprivoise notre incrédulité. L'animal est une altérité vivante et profonde de l'humain. Réflexe anthropocentrique ou non, ce réflexe est omniprésent aussi avec la machine. Nous pouvons identifier une intention ou comportement, nous l'inscrivons. Ici, un drone un peu emmerdeur, une expérience vécue dans un noir total. L'intelligence de groupe, ou l'intelligence empruntée, une co-création générative. 24 membres du public non initiés sont mis en scène dans un fermé. Ils et elles deviennent performeurs, mi-soumis, mi-autonomes, mais tous collaborent à la texture du moment présent. Ce système humain-machine, génératif et collaboratif, génère les chorégraphies et la performance. Le résultat est donc collectif, issus des intelligences et compétences empruntées et distribuées du groupe, des auteurs et du système de contrôle. L'intelligence réduite, la téléprésence coercive en direct. L'humain réduit à la machine, son corps un élément d'un système plus vaste, son intelligence focalisée sur la tâche, son corps comme une machine-outil. Finalement, que pense la machine? Quels sont les liens entre la sensation, la co-réalité et la moralité de ces actions? J'expérimente et je mets en scène des machines cyclopes et non-verbales avec un invité, et tout ça pour savoir quelles sont les inscriptions que nous portons à ces comportements. Pour conclure, l'imitation, la simulation et la modélisation offertes par les machines sont séduisantes. Cela pervertit notre conception de la réalité et de l'intelligence. Merci beaucoup. Merci, voilà. Louis-Philippe, d'avoir préparé ce montage-là pour nous, d'avoir posé aussi quelques balises autour de l'histoire, disons, de la mise en scène des intelligences artificielles et de la robotique. Ça va certainement guider un peu notre conversation, donner un petit peu d'arrière-plan conceptuel et historique à tout ça. Merci aussi de nous présenter quand même ce panorama de toutes ces œuvres que tu as créées quand même au fil des années. C'est intéressant, c'est beau de voir toutes les approches distinctes que tu as explorées dans tes créations.
Ce serait maintenant au tour de Erin G de présenter sa pratique. Peut-être quelques mots sur la vidéo que tu veux qu'on visionne ensemble. Oui. Ouh, excuse-moi. Mon pratique, je suis vraiment intéressée présentement en l'articulation du care et comme technique. Parce que je trouve que le care et l'emotional labor, c'est sous-articulé comme une base de technique et le care est naturalisé fréquemment. Et on pourrait être plus précis avec ça. Et avec mon quest, j'aime faire un mélange de technologies, très hautes technologies qu'on conçut comme des techniques avec le care. Et avec ça, j'ai créé une œuvre ASMR, un couple des œuvres.